Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Pink Julia et aujourd'hui je vais vous proposer mon douzième épisode de Way of the Hunter. Et franchement, je suis assez contente parce que c'est la première, comment dire, c'est le premier jeu auquel je stream autant, voilà, je cherchais, et puis j'ai un souci, de toute façon, à chaque fois j'ai un souci avec mon téléphone pour voir mes streams, hein, donc mes lives pour voir à combien j'en suis. Je regarde à chaque fois sur comment dire, mon téléphone à combien je suis en temps pour la vidéo, parce que vous savez que voilà, je fais pas des vidéos de 2 heures, mais de 45 minutes, voire 1 heure, 1 heure 10, grand maximum. Et à chaque fois, j'arrive pas à trouver le comment arriver sur mon stream, sur mon téléphone. Alors, c'est un peu embêtant. Chaque fois, je galère en début de vidéo. Vous m'entendez à chaque fois, ah, j'ai un souci technique. Voilà, c'est toujours le même, hein, toujours avec mon téléphone. Donc, oui, dans la dernière vidéo, j'avais réussi à avoir des serres. Un cerf, enfin, je suis trop contente. Aujourd'hui, peut-être que ça sera moins, que j'aurai moins de chance, on va dire, mais bon. Donc, j'avais fini de voir, enfin, d'aller par là, en fait. Je vais pas y arriver aujourd'hui, je sens. D'explorer, voilà, je vais chercher ce curé de mots. Et aujourd'hui, en fait, bah voilà, c'est ça. Ici, pour toujours chercher les canards, passer un bon moment avec vous et voilà, tirer sur du gibier. Et après, je partirai sûrement par là, après d'avoir fait la quête des blaireaux d'Amérique. Je vais le faire ici, les blaireaux d'Amérique derrière chez moi, enfin derrière chez moi, derrière le ranch de l'ours. Hein. Donc voilà, là, allez. On va y aller et puis on va se mettre accroupi comme d'habitude, hein, pour faire le moins de bruit possible. Et à bientôt, ma deuxième vidéo des tortues ninja qui va sortir. Hein, je vais la faire bientôt. Parce que là, ce week-end, en fait, je le fais fait. Pardon, je peux y arriver. Je vous promets, ça sera horrible. Aujourd'hui, je le sens. Cette série, en fait, je le fais avec Capuche Boy. En fait, je le fais en duo avec Capuche Boy, qui est mon fils. Et en fait, mon fils étudie en Belgique, donc la semaine il n'est pas là et ce week-end on n'a pas pu s'y mettre. J'étais vraiment pas bien, donc voilà, j'ai pas pu faire de vidéo ce week-end vraiment avec lui. Et désolé quoi, désolé pour lui déjà parce qu'il aurait bien voulu, il a adoré notre première vidéo. Et ouais, non, j'ai pas pu, j'ai vraiment pas pu. J'étais vraiment pas bien moralement, psychologiquement. Donc voilà. Mais en fin de semaine, vendredi, ouais, voilà. Je le scotche sur le canapé et on fait au moins, pour le week-end qui arrive, 2-3 vidéos, quoi. Ça va être obligatoire. On va faire au moins 2 vidéos, le deuxième épisode et troisième épisode des tortues, parce que il y a 13 jeux et je veux faire les 13 avec mon fils, avec Capuche Boy. Alors pourquoi Capuche Boy? Parce qu'il garde toujours la capuche de ses pulls sur sa tête. Alors il cherchait un pseudo et je lui ai dit, bah tu gardes toujours ta capuche, bah tu seras Capuche Boy, voilà, et puis c'est tout. Des fois c'est débile, hein, comme on trouve, mais voilà. J'ai failli pas faire de vidéo non plus aujourd'hui, mais bon, je me suis dit qu'il y en avait peut-être entre vous qui attendaient
mes. Comment dire, la suite de mes pérégrinations, dirons-nous. Et bon, voilà quoi. Quand j'ai vu. Puis c'est la première série en plus que je vois que j'ai autant vu, quoi. J'ai jamais eu ça. Donc, voilà quoi, c'est super. Magnifique, en face les montagnes neigeuses, franchement, j'aime bien. C'est super. Donc j'ai dormi au camp hein, ici et il est 7h53 dans le jeu. Donc je repars de bon matin pour faire comment dire la fin de l'exploration. Il avait quelque chose. Mais comme de bien entendu, je vois rien parce qu'il y a le petit vallon qui. Oh, c'est un vallon, hein. J'espère que c'est ça. Bon, ben, on verra bien, hein. On va continuer à avancer. Pour l'instant, je ne vois rien. Je vois pas de bruit. Pourtant, j'arrive chez les faisans, il me semble, oui. Ici, c'est les faisans. Pourquoi pas un petit faisan? Il y a peut-être quelque chose en haut. Je vois qu'il y a un petit nuage violet sur la carte. En général, c'est des lieux, comment dire, de repos pour manger pour les animaux. Ah, voilà. J'avais dit, je l'ai trouvé. Cermulet. Nourriture souvent. C'est cool. J'aimerais bien en voir. J'aimerais bien en voir quand même des cerfs. Mulets surtout parce que j'ai une quête justement pour les cerfs mulets. J'aimerais bien continuer mes quêtes aussi en même temps parce que ça fait quelques épisodes que je les ai et quelques épisodes que j'arrive pas. Je ne trouve pas. Je fais que de l'exploration, je tire sur ce que je vois. Petit nuage violet juste devant aussi. Donc je vais y aller. Je vais aller voir ce que c'est pas. Encore une fenêtre. Bah, pour l'instant je vois rien. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Alors c'est peut-être des animaux à 700 mètres parce que... C'est tout droit en tout cas qu'il y a quelque chose. Dans cette direction, à chaque fois que je vois la petite fenêtre s'ouvrir. Peut-être du cerf là-bas au bout. Là.
pas vraiment l'impression. Un truc quand même. Bon. Ah, purée. Je le mets et puis. C'est pas vrai ça. Allez, je cherche. Allez, il y en a un. Ici. Purée. Il y a une fenêtre qui veut s'ouvrir, mais elle ne s'ouvre pas. Faisant, repos souvent. Pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Là. Ah, ils sont là-bas. À 600 mètres. On va essayer de se faire un cercle. Je dis bien essayer parce que je suis pas. Je les trouve assez blindés, hein, les cerfs, comme je vous dis à chaque fois. Bien qu'ils sont repartis dans la forêt, c'est dommage.
vais essayer de m'approcher vite fait pour voir. Sans pour autant essayer de les effrayer au cas où. Je crois vraiment qu'ils sont partis. À reprendre l'exploration. Peut-être qu'on en trouvera d'autres, j'espère, parce que. Ah, ici, il y a aussi quelque chose. Du faisan là-bas. Bon, on va aller se faire du faisan. C'est à combien? 200. Un petit faisan. Ça se prend quand même du faisan. Même si voilà, 150 mètres.
100 mètres pour du faisan. Ouais, bah, du faisan. Hein. On refait une vidéo au faisan, en fait. De la vidéo faisandée. Bon, ouais, je sais, c'était nul. J'ai l'habitude. Tous ceux qui me connaissent disent que mes blagues sont nulles. Alors... D'ailleurs, ils rigolent quand même, hein. Ils rigolent parce que c'est nul, justement. Ils rigolent pas parce que c'est bon, ils rigolent parce que c'est nul. Je vais essayer de contourner, j'aimerais bien les voir. Pour être sûr de l'abattre, ce faisant. T'es où, toi? Allô? T'es où? T'es où, petit faisant? J'ai pas envie qu'il s'envole, non? Ah, là devant. Et un faisant. Un! C'est dommage, il y a tout le groupe qui. Une pièce? Non mais franchement, c'est hallucinant. Une pièce, le truc c'est. Ah oh, cerf à queue blanche, à 250 mètres. Allez, sur le faire, celui-là. Enfin, essayez déjà. Ah ouais, c'est de la femelle, c'est dommage. Moi, il me faut de l'adulte. De l'adulte ou du vieux, en fait, pour ma quête. On va y aller tout doucement. Bon, qui se doit effrayer, ça serait dommage. Un truc là. Du loup gris, souvent nourriture, c'est cool ça. Là-bas, c'est quoi? Du faisan. Du faisan, mais bon, je vais essayer de lâcher le faisan 2 secondes, je vais aller faire du cerf quand même. Va se vendre un peu mieux le cerf. Enfin, faut déjà l'abattre le cerf. Hein. Je le sais. Mais là, alors 250 mètres. Non, là-bas, c'est facile. J'arrive pas à l'avoir. C'est un peu énervant. J'arrive pas à voir le cerf. C'est un peu trop vallonné. Je suis sûr qu'il va partir en courant avant que je le voie, quoi. Le truc. Le son. Ah, là-bas, non? Non, c'est de la végétation, dommage. Parce que normalement, à 250 mètres, le cerf à queue blanche, je devais le voir, quoi. Au moins aux jumelles. Plus de bruit. On est toujours dans le. Oui, ça va. On est toujours dans la direction. Cerf à queue blanche mâle, 300 mètres. Bon, il se déplace à voir alors. Du cerf-muley, rarement. Comme le bien entendu, il y a une grosse végétation entre moi et les cerfs, c'est génial. J'essaie de la contourner.
premier rien. Passage, je promets rien. Ah là sont calmes, donc ça va, ils m'ont pas vu. Je vais essayer de les suivre tout doucement. Tout doucement, hein. Sans faire de bruit. Je vais essayer tout doucement. Sans me faire voir également. Calme à 200 mètres. À 150 mètres. Comme de bien entendu, ils sont derrière une butte en fait. Faudra contourner pour essayer d'avoir un angle de vue assez dégagé. Peut-être qu'ici, oui. Ah, ici, bon, on va essayer de pas se faire voir. Adulte mâle, essayer de se faire celui-là qui est en train de nous regarder. Il va passer derrière un rocher. Studio là. Bon bah voilà. Pourtant je l'ai touché et je suis sûr que bon bah je l'ai. Il est pas mort en fait. Il est pas mort, il est parti en courant. Génial. C'est vraiment ne pas avoir de chance. Mais alors pas du tout quoi. C'est horrible. Free. Faudra peut-être que je m'achète une meilleure carabine. Une meilleure fusil. Parce que là, franchement, ça fait un peu. Parce que le pire, c'est que.
partir par là. Faisant à 150 mètres. Allez, on va aller refaire du faisant. Faut bien que j'économise pour mon nouveau fusil de chasse quand même. J'ai essayé d'en avoir un meilleur. D'en avoir des meilleurs quand même. Je dirais. Bon, c'est vraiment moi qui est mauvais. Bon. Et ça se peut aussi, hein, que c'est moi qui est mauvais. Mètres le faisant. Devant ou derrière la ligne de chemin de fer? Là-bas. Quatorze pièces. Oh, celui-là, je l'ai eu par derrière en plus. Il est pire. Pas faisant par derrière dans le dos. Dommage pour le faisant dans le dos. Bam! Encore loin pour avoir mon nouveau fusil, quand même, en 1315 pièces simplement. Est-ce que je l'avais déjà trouvé? Non, faisons rare par contre. Dommage. Mais au moins j'ai trouvé une nouvelle zone. J'aimerais bien trouver les canards quand même. Ça doit pas être ici. Ça doit pas être ici les canards. À 35 minutes déjà. 35 minutes de faisant. Failli avoir un cerf, dommage. Faisant. Toujours. Mais il n'y a pas de bruit pour les faisants. On
n'y a pas pour l'instant. Je me mettrais accroupi, ça irait peut-être mieux quand même. J'ai pas vu que j'étais debout. Rien, dommage. Y a peut-être une zone ici, on voit un petit nuage violet sur la carte. Elle est loin cette zone. Vais essayer de remonter par ici pour là encore la zone noire. Peut-être aller jusque là-bas avant. Ouais. Et après remonter et continuer à essayer de trouver des choses à chasser, enfin des animaux. Il n'y a pas grand monde dans ici quand même. Là-bas, il y avait quelque chose qui a bougé. Non. 300 mètres.
essayer, on va essayer de remonter tout en essayant de capter le animal. Ah, bah, ils sont là-bas. 358 mètres. On va essayer. On va essayer de se rapprocher vers les 200 mètres et de leur tirer dessus. J'ai bien dit essayer. En plus, ils sont dans la direction où je dois aller. Donc, voilà. C'est un queue blanc, j'ai retrouvé un nouveau, une nouvelle découverte. mètres. Déjà, un tir à 200 mètres, et je le loupe, alors un tir à 300 mètres, c'est mort. Hein. Cherchez pas. On va essayer de se rapprocher le pas un maximum qu'on peut, en principe, quand même. Mais... Je vais pas être à 10 cm, mais. Cerminé, mature, donc c'est celui-là qu'il faudrait que j'ai à 276 mètres. Se rapprocher. Comme là, je le vois absolument pas d'ici. Pas de visibilité. De 137 mètres. La direction du vent, ça va. Mon odeur n'arrive pas vers eux, donc ça va. Je suis un peu caché quand même. C'est pas vrai, ils sont partis. Non, quand même pas. Sont en train de bouger en plus. Toujours calme. Il commence à bouger alors. Ils sont partis, mais je ne sais pas dans quelle direction. Je dirais par là quand même.
C'est vrai qu'ils ont dépassé la ligne de chemin de fer. À 100 mètres, le cernier va se cacher dans les herbes là. À 100 mètres, je veux bien, mais à 100 mètres, il y a rien. C'est quoi ça? Un renard roux. Oh, l'histoire du renard. Je vais essayer le renard. Bien se laisser abattre le renard. Enfin, déjà si je le retrouve. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai bien vu un renard hein, quand même. Il a dû me sentir lui et s'en aller. Ou alors il y a un creux là et je l'ai pas vu. Le creux. Il est parti dans le creux, ouais, non, peut-être. Ah, ici, le cernulé. Il s'est dépêché de prendre le fusil. Dépêche. Ne bouge pas. Bon, bah vas-y, bouge. Je te dirai rien, vas-y. Si tu pourrais relever la tête, ça m'arrangerait un peu, quand même. Vas-y, relève ta tête. Après, si je bouge, j'ai peur de qu'il s'en aille en courant. N'y a pas d'autres herbes. Et on va essayer de bouger, on croise les doigts, on va croiser tout ce qu'on peut croiser. S'il te plaît. Ah, effrayé, puis. Loupé là. Carrément loupé. Il y avait un creux. Il y avait un creux. Voilà. J'avais dit hein, que si je bougeais, il allait partir. Et voilà. Il est parti. Il est carrément parti. C'est pas possible. Cernulé, abreuvage souvent. Ils viennent souvent ici.
Faisan, bon. Ce sera tout pour du faisan cette fois. C'est pas possible. La vidéo d'avant c'était du cerf, là c'est du faisan. Ouais, du faisan. Toujours mieux que rien, mais bon. C'est mieux le cerf quand même. Ça se vend un peu mieux le cerf. Bah, il y en avait là. Il y en avait ici. Un troisième faisan. C'est plus un faisan lui, c'est une passoire maintenant. Du cerf mulet à 250 mètres. Calme en plus. On va essayer le dernier cerf avant d'arrêter la vidéo là. Mais je sais pas où il se trouve. Cerf à queue blanche, 450 mètres, mais j'en avais vu un avant. Hein. Quand même. Monter dans les herbes là. Suivre le bruit. Là, je crois. Ouais. Yeah. Ah bah c'est celui-là qu'il me faut en plus. À 100 mètres.
pas ça que je trouve. Non, non. Arrêtez de bouger, qu'est-ce que vous faites? Oh, non, mais... Ils sont obligés de faire ça. Mais deux balles! Mais non, mais deux balles, quoi. J'hallucine. Je lui tire deux fois dessus, deux fois qu'il saute, et puis hop là, je m'en vais. C'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il dit sur le sang? Moyenne. Oh purée, avant la mort lente, quoi. Donc le cerne est... Le cerne, il va mettre 2 heures avant de mourir et puis je le retrouverai pas en fait. Si je le sens. C'est cool, maintenant j'ai les traces de sang, j'ai dû déverrouiller un talon. 150 mètres, calme, comme c'est une femelle. Je veux pas d'une femelle, moi je veux un mature. Je trouve que c'est un problème, je vois du sang, des merdes. 100 mètres. J'ai perdu le sang. Merde. Les roues, on s'en fout. Voilà là. Rapide et bruyant. D'accord. Ah oui, je me déplace plus rapidement, mais je suis plus bruyant en fait. C'est dommage. Je préfère l'inverse.
arrêter de bouger. Dommage que j'ai perdu les traces de du cerf là, qui saignait bien. J'aurais bien aimé continuer à. J'ai plus vu le sang. Ah non, il est free. Et j'ai perdu la trace du cerf, et là, elle est frayée celle-là, donc bah, au revoir. Hein. Elle est partie en courant. Cerf un peu blanche, calme. De 150 mètres. Ils disent dans les 250 mètres, je regarde et puis je vois rien du tout. Pas ça, je veux bien, mais. Sont derrière l'arbre en plus, alors c'est cool. Événement. Surtout, bougez pas. Hein.
sur son. À 250 mètres. On va rentrer dans les arbres. Ils vont plus être là, je le sens. Ils vont être partis et puis. Là, 150 mètres, calme. Les feuilles, il est génial. Fallait s'en douter, hein, je marche plus vite et je suis plus bruyante. Donc c'est un peu plus embêtant. Ils sont tous effrayés. Ouais, il y en avait plein, hein, quand on regarde bien. Dommage. Bon, bah tant pis, hein. C'est bon, c'est bon, je suis bon. Je suis arrivé ici en plus. Bon, bah, je vais retourner là-bas et puis je vais vous quitter. Comme ça, dans la prochaine vidéo, je ferai les blaireaux. Mon téléphone s'est éteint en même temps. Je vais regarder un coup combien coûte. Regarder ce que j'ai. Le rapide et bruyant. 15% plus rapide, mais 10% plus bruyant. Donc ça sert vraiment. Si on est bruit de 15% en déplacement allongé. C'est dommage quand même. On va étendre, récupérer tous les objets à collectionner de la vallée des nez perçus. Ah bon? D'accord. Il y a des objets à collectionner, je sais pas. 15 gros gibier avant, pas vendu beaucoup moins. Toucher le cœur d'un poumon, une artère 50 fois depuis un observatoire. Génial. Fondre 10 animaux
appelé. Ah oui, avec les appels. Inventaire. Ah, Pavorn ici, peut-être pas. Remington. Niveau de chasse 5. Alors, niveau de chasse 5. Est-ce que. Du 7 mm. 253. 243. C'était prometteur, il doit être meilleur quand même, je dirais. 17 mm. Bon, 1500. Ouais. 6000. 6000 celui-là, le Ster monobloc. Winmag en Cali. Bah, on a encore le temps d'attendre. Par contre, pour les. Comment dire? Pour pour les quoi pour les rongeurs là. Les blaireaux voilà je vais reprendre la carabine de papy comme il dit parce que c'était avec celui-là pour les blaireaux que je faisais. Voilà. Et je vais vous laisser ici. Je vais vous dire bonne fin d'après-midi. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis bye bye.